Le projet danse et musique, en fait, qui a lieu dans les écoles, est un projet autour du spectacle, ou du moins un spectacle en création pour 2022-2023, qui s'appelle Le ciel est dans ma chambre. Et c'est un spectacle autour de la nature et de la poésie. Et c'est à la fois autour de la nature qui nous environne et cette nature aussi intérieure qu'on a en nous. Et ce trajet, en fait, qu'il y a du dedans vers le dehors, avec ce qui nous nourrit de l'extérieur et qui vient de nourrir l'intérieur, et ce qui nourrit du dedans aussi, qui va nourrir aussi l'extérieur. Ma tête est en arbre. Encore. Ma tête est en arbre. Là-haut. Ma tête est en arbre. Plus fort. Ma tête est en arbre. L'idée du projet, c'était de s'exprimer donc avec son corps, à travers la danse et la poésie. Donc on a l'habitude à l'école d'apprendre des poésies, de s'exprimer, mais vraiment à l'oral. Et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un autre biais, d'utiliser son corps comme moyen d'expression. C'est un projet qui m'est venu par envie de poésie, de sensibilité aussi, et puis d'être vraiment en accord avec la question du vivant. Quand on danse, quand on chante, quand on est sur scène ou quand on fait du théâtre, on est présent à soi, présent aussi aux autres, et il y a un bouillonnement intérieur qui est bien là, quoi. Et c'est ce qui me plaisait aussi dans ce projet, c'est pouvoir vraiment transmettre cette part du vivant, mais avec des mots choisis qui sont ceux de Henri Méchonic, et pour les retransmettre après, que ce soit en mouvement, danser, ou en voix chantée, ou voix parlée chantée. Ma démarche, elle consiste à allier à la fois la danse, à la musique et à la littérature. Pour allier les trois arts ensemble, ça me semble complètement naturel, et d'autant plus avec les jeunes enfants, quoi. Que ce soit les enfants de tout petite enfance, ou alors des enfants de maternelle ou de primaire. Voilà, c'est vraiment du jeune public. Moi, je travaille beaucoup avec le jeune public. On a vu un peu les similitudes entre la nature et notre corps. Que l'arbre est un être vivant comme nous et qu'il a de la sève qui coule comme nous, on a du sang. On a vu les similitudes entre par exemple, les poumons, notre corps qu'on a et les feuilles, les racines de l'arbre, hein, qui a une ressemblance. Et que l'arbre, bah, c'est un être vivant comme nous et lui, il se déplace pas comme nous, hein, mais qu'il se passe quand même des choses. Et on a vu que là, certains, ils ont bien, très bien réussi à s'écouter, écouter leur corps, à imaginer des choses, faire fonctionner leur imaginaire, hein, pour se mettre dans la peau d'un arbre. Deux. Vers le jardin. Trois. Jambe droite pliée. Voilà, il faut trouver l'astuce, hein. Les premières étapes ont été justement de parler un petit peu effectivement de la nature et tout ça, de l'observer, la nature. Ensuite, on a donc eu les premières séances avec Stéphanie. Donc là, juste, qu'est-ce que c'est aussi que danser, s'écouter, regarder les autres. Donc ça, c'est un travail assez long aussi, de pouvoir se poser. Et puis après, le but final, c'est vraiment de réussir à, sur un poème, à danser autour de ce poème. L'important pour moi, c'était vraiment de réussir en fait à transmettre la poésie avec des mots qui sont choisis, de poésie qui n'est pas forcément de la poésie pour enfants, mais qui parle quand même dans nos profondeurs et dans notre sensibilité. Et ça, c'est ce qui me plaisait. Et l'enjeu pour moi, c'est vraiment de transmettre ça, transmettre cette poésie par les mots, mais aussi par le langage corporel, et puis la présence à soi et la présence aux autres aussi derrière. C'est beaucoup, beaucoup de jeux, et qui ne s'en rendent absolument pas compte, qui sont en fait dans une improvisation, dans un mouvement dansé. Le but, ouais, du jeu, c'est vraiment que le corps soit instinctif, quoi, et spontané.
fait des postures. Bah, ça fait du bien parce que on peut s'exprimer avec notre corps. Pendant l'atelier, quand on a fait la chorégraphie, j'ai bien aimé quand on devait se transformer en arbre. Au début, dans les premières séances, on voyait qu'ils avaient du mal déjà à se déplacer normalement. Ils ne savaient pas trop ce qu'on attendait d'eux. Et on voit que certains ont des démarches plus ou moins fluides. Certains sont à l'aise, d'autres un peu coincés. Et au fil des séances, on a vu des changements, et de la fluidité un peu plus dans leurs mouvements, moins de gêne. Le regard aux autres aussi. Il y en a qui, au début, ils étaient gênés de s'exprimer avec leur corps devant les autres. Il y en a même qui ont pleuré, c'est arrivé. Et là, après, ils se sont habitués et puis ils ont pris de l'aisance. C'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, quand on a des projets comme ça, c'est qu'on voit les élèves différemment. Il y a certains élèves qu'on peut trouver très à l'aise en classe et beaucoup moins. Et à l'inverse, des enfants qui vont être très introvertis et qui, là, se libèrent. Donc ça permet de les voir d'une autre façon aussi. On a dansé un petit peu sur la nature. On a aussi on a appris une poésie de nature. On a essayé d'attraper des insectes en dansant. Des fois on chante. Des fois, on danse. C'est un petit peu mélangé. C'est un peu de la poésie et c'est un petit peu beaucoup de danse. Chaque visage est un soleil. Chaque visage est un soleil. Depuis le début des ateliers, il y a toujours eu une présence forte des enfants avec beaucoup d'attention. Après, moi, ce que je leur ai amené, ça va être justement l'aisance. L'aisance pour dire les poèmes, l'aisance aussi pour les exprimer avec le corps et pour les chanter aussi. Tu vois, je fais tout un travail autour de la voix. Donc, il y a de ça, ouais.